Un épisode spécial Halloween avec Pocoyo et ses amis. Regarde, c'est Pato et Pocoyo. Bonjour, que faites-vous ici? Des bonbons à sort. Oh, je vois, tu fais Halloween. Tu fais le tour des maisons pour avoir des bonbons et tu t'apprêtais à aller dans cette mystérieuse maison. Des bonbons ou un sort? Pato, Pocoyo a raison. Si tu veux des bonbons, tu dois être un peu plus courageux. Voilà, très courageux, Pato. Oh, bien, c'est très chaleureux. Et maintenant, que faisons-nous? Des bonbons ou un sort? Ok. Eh bien, rentrons et prenons quelques bonbons. Pato a raison. Peut-être que nous devrions retourner de là peur, où... Est-ce que tu dis que nous avons peur? Bien joué, Pato. Très courageux. Maintenant, attrape un de ces bonbons et sortons d'ici. Oh. Oh. Ça fait peur. Peut-être que nous devrions jeter un coup d'œil. Allez, Pato, monte les escaliers. Pato dit que ce serait mieux de regarder à l'étage. C'est... Oh! Wow! C'est un corbeau! Oh! C'est si effrayant! Bébé oiseau! Oh! C'était juste bébé oiseau! Tu vois, Pato, il n'y a pas à avoir peur. On dirait que Pato préfère visiter tout seul. Voyons, Pato, ne fais pas la tête. C'est Halloween. C'est normal d'avoir un peu peur. Surtout dans une maison aussi... aussi... effrayante. Qu'est-ce qu'il y a, Pato? Oh, c'est un ascenseur. Et il y a une personne à l'intérieur. Oh, c'est Ellie, Nina, Lula et Roberto. Oh, oh, Pato. Pato? Attends, où vas-tu? Pato, laisse-moi t'expliquer.
Oh non, c'est un fantôme. Pato, calme-toi. Je suis sûr qu'il y a une explication logique à tout cela. Oui, prends un bain et détends-toi. Tu vois, un bon bain chaud fait toujours du bien. C'est toi! Pato, attends! Oh non! Pas encore le fantôme! Alors ça, c'est Dodo l'oiseau! Dodo l'oiseau! Tu vois, Pato, tout a une explication. Ce sont tous nos amis déguisés. Pato, derrière toi. Ce sont de vrais fantômes. Ils ont l'air plutôt sympathiques. Eh bien, que d'émotions! C'était une expérience terrifiante! Au revoir et à bientôt! D'Halloween. Ah, des monstres effrayants! Des bonbons ou un sort? Oh, je vois, c'est Halloween. Vos costumes sont vraiment fantastiques. Vous êtes une sacrée bande terrifiante.
Bonjour, Ellie. Ellie, la sorcière, prépare une potion effrayante, pleine de pattes d'araignée, de queues de lézard et de brocoli. Ah non? Oh, c'est juste une soupe au potiron. Délicieuse. Encore. Pato, je crois que tu as oublié petite chenille. Encore? Regardez! Un monstre! Un monstre! Oh, ouf, le monstre a disparu. Où est-il allé? Oh, Pato dit la vérité. Je l'ai vu aussi. Il était gros et effrayant. Tu ne nous crois pas? Des bonbons ou un sort? Bon sang! Il ne nous croit pas! Le moment est enfin arrivé. Des bonbons ou un sort? Regarde, Fred, une sorcière. Comme elle fait peur. Oh, je vois. Pas pour toi. Fred, regarde, un autre monstre. Et celui-ci est terrifiant avec ses... Waouh, il est difficile de te faire peur. Attention, Fred, un vampire. Oh non, c'est Pato, l'horrible vampire. Chenille? Écoutez bien, tout le monde. Nous avons encore vu le monstre. Vous n'allez pas le croire, c'est... Non, attendez. Vous devez savoir que c'est... Oh non, ils sont encore partis. Pato, laisse-moi t'expliquer. Je sais qui est le monstre. Non, Pato, attends. Je peux tout expliquer. Le monstre, c'est... Non, Pato, attends, je sais ce qu'il se passe. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Chenille... Non, non, pas ça, Pato. Pato, ce que j'essaie de te dire, c'est que le monstre, c'est Chenille. Oui, je l'ai vu se transformer. Oui, oui, Pato, petite Chenille. Allez, montre-lui comment tu fais ça, Chenille. Tu vois? Chenille est le monstre. Vous devez nous croire. Le monstre, c'est bien Chenille. Chenille, tu sais ce que tu dois faire. Vous avez vu? Pour d'étranges raisons, Chenille se transforme en monstre dès qu'elle mange de la soupe au potiron. Chenille, je crois que le problème vient de... cette citrouille qui ne te fait pas du bien. C'est fini.
Oh, pauvre chenille. Elle adore la soupe au potiron. Oh, regardez, elle y a raison. Elle peut cuisiner de la soupe à la tomate. Tout va bien. Excellent. À partir de maintenant, que de la soupe à la tomate pour chenille. Vive les amis et vive Halloween. Au revoir et à bientôt. Terrifiant de Pocoyo et Nina. Regardez qui voilà. Ce sont nos amis. Bonjour les amis. Où allez-vous comme ça? Ah, je vois. Vous avez des places pour le spectacle d'Halloween de Pocoyo et Nina. Quelle chance! Parfait, tout le monde est assis. Il n'y a plus qu'à attendre le lever de rideau. Pocoyo, Nina, votre public est arrivé. Vous êtes prêts? Formidable. Dans ce cas, que le spectacle commence. C'est effrayant. Je crois que les spectateurs n'ont pas vraiment eu peur. Eh bien, j'ai l'impression que votre public est très exigeant aujourd'hui. Plan B. Vous avez un plan B? Ah, je crois que Pocoyo et Nina ont quelque chose de beaucoup plus effrayant à vous montrer. Oh,
Halloween indique que maintenant, le vrai spectacle d'horreur et d'épouvante va commencer. Pocoyo! Ce spectacle est incroyable. Oh, j'ai vraiment eu très peur cette fois. Mais dis-moi, qui est-ce qui faisait bouger les squelettes? C'est Nina. C'est vrai, Nina? C'est toi qui faisais bouger les marionnettes? Pocoyo. Pocoyo? Mais alors, si ce n'est pas toi, Pocoyo, et si ce n'est pas toi non plus, Nina, qui faisait bouger les... Oh, j'ai très, très peur.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai compris! C'est la troupe de théâtre ambulante des frères Chihuahua. Pièce de théâtre, fête d'anniversaire, baptême, enterrement. La carte qu'ils t'ont donnée, c'est leur carte de visite. Et ce numéro de danse fait partie de leur répertoire. Ah, j'ai l'impression que les comédiens doivent partir. Le spectacle doit continuer! Oui, mais loin, très loin d'ici. Cette aventure était horriblement, épouvantablement géniale. Au revoir, les amis. À bientôt. Je vois que vous êtes tous prêts pour aller fêter Halloween. Bonjour Nina. Mais où est ton déguisement? Tu ne sais pas ce qu'est Halloween? Halloween est une nuit très spéciale où tout le monde porte un déguisement effrayant et s'amuse à faire peur aux autres. Regarde. Une momie qui fait horriblement peur. L'abominable loup-garou. Et ici, un redoutable pirate fantôme. Mais qui est-il, Pato? Tu veux nous raconter une histoire qui fait peur? Eh bien, c'est d'accord. Nous t'écoutons. Il était une fois un vieux pirate qui naviguait sur un océan plus noir que les ténèbres. Il transportait sur son navire un coffre plein à craquer de délicieux bonbons de toutes les couleurs. Quand soudain, surgit du brouillard poisseux un bateau fantôme. Le pirate du bateau fantôme ordonna à une pieuvre géante de voler le coffre. Transforma en bonbons et sucette fantômes effroyables. Eh bien, j'ai l'impression que Nina n'a pas eu vraiment peur.
n'est-ce pas? Pocoyo, tu veux essayer? Oui. Il était une fois un petit garçon très ordinaire qui, quand la lune était pleine, se transformait en un terrible, terrifiant extraordinaire. Petit loup. Ça alors, j'ai l'impression que notre petit loup a tout simplement envie de jouer. Ellie, tu veux essayer de raconter une histoire qui fait peur? Il était une fois une momie qui s'en alla au cimetière une nuit sombre et orageuse pour faire un pique-nique avec sa poupée et son ours en peluche. Et lorsqu'une musique étrange et inquiétante se fit entendre, la momie, la poupée et l'ours en peluche firent tous les trois la danse des zombies. Eh bien, je crois que Nina n'a pas du tout eu peur. Oh, mais qui est-ce? Un bonbon ou une farce? Cette fois-ci, je crois que Nina a eu peur. Joyeux Halloween, les amis! Je me demande où peut bien se cacher Pocoyo. Ouh, Pocoyo! Oh, oh là là, oh, c'est malin. Tu m'as fait une de ces peurs. Ah oui, j'ai compris, c'est ton nouveau jeu, c'est ça. Très amusant. Ah, où est-il passé encore? Oh, je me suis encore fait avoir. Je ne t'ai pas vu venir. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Enfin, Pocoyo. À mon avis, Pocoyo aimerait que vous criez tous « bouh »
en même temps que lui. Vous êtes prêts? Un, deux, trois. Écoute, Pocoyo, tout le monde n'aime pas ce jeu. Tu ne vas pas aussi faire peur à Lula, j'espère. Non. Ah, tant mieux. Oh non. Pauvre Lula. Oh non, tu ne vas tout de même pas... Chut. Oh. Tu veux que Pocoyo recommence? En tout cas, toi, tu as l'air de bien t'amuser. Oh non, 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 Pocoyo. Tu sais que Pato est très sensible. Tu ne devrais pas l'embêter. Oui, je sais, Pato. Tu as eu très peur. Il a recommencé. La voie est libre. Ouf, on est tranquille alors. Tu vas pouvoir prendre ta douche sans être dérangé. Au fond de l'océan. Bonne idée! Tu vas pouvoir nager tranquillement sans être dérangé. Ça commence à devenir fatigant. Un petit peu d'eau, peut-être? Ça suffit, Pocoyo. Ça va trop loin. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Moi? Non. Non, oh, pauvre Pato. S'il vous plaît, les enfants, expliquez à Ellie pourquoi Pato est dans cet état-là. Tu veux que les enfants et moi, on crie bouh? D'accord. Prêt? 1, 2, 3. Bouh! Ah, Pocoyo, tu dois être beau joueur. Si tu t'amuses à faire peur aux autres, tu dois t'attendre à ce qu'ils fassent la même chose avec toi. Ah, tu vois, ce n'est pas si affreux. D'ailleurs, ça peut même être assez amusant. Vas-y, Pato, essaie. Oh, vous m'avez fait peur. Un grand bravo pour Pocoyo. Et un autre pour Pato. Finalement, j'adore ce jeu, moi. Bouh. Moi aussi, je vous ai bien eu. Au revoir et à bientôt.
Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Oh. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Porte. Exact. Et je me demande ce qu'il y a derrière. Dites les enfants, vous pensez que Pocoyo devrait l'ouvrir? Une porte qui donne sur le ciel. Ça, alors, c'est inhabituel. Je me demande où est passé le ciel. Oui, mais... Non, attends, attends. Je crois que Pato veut regarder les poissons. Les enfants, dites-lui où est son ami canard. Il est passé par la porte. Oh, Pato, te voilà. Pocoyo te cherche partout. Une minute. Oh, Pocoyo, tu viens de rater Pato. Pato. Non, Pato, attends. Oh là là. Je suis désolé, Pocoyo, tu viens encore de le rater. Oh là là! Cette porte est vraiment très bizarre. Recommence. Oh! Oh, tu l'as vu? Pato! Oui, il vient juste de passer. Oh. Revoilà. Quelle surprise, une deuxième porte. Encore des portes, décidément. Thank you.
Allons, allons, mon petit Pocoyo, tu ne peux pas baisser les bras maintenant. Oh, ces cris me rappellent quelqu'un. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo qui vient de crier. Pato, c'est Pato. Oui, je crois que vous avez raison. C'était la voix de Pato. Tu devrais peut-être aller chercher de l'aide, Pocoyo. Ellie! Bonjour, Ellie. Pato, ici. Bravo! Vous l'avez retrouvé! Qui est-il, Ellie? Ah, tu travailles sur quelque chose. Ça m'a l'air plutôt important. Je me demande ce que c'est. Oh, je vois! Voilà pourquoi Ellie était si occupée. Elle était en train de préparer une petite fête. Comme c'est gentil! Un grand bravo pour Pocoyo, parce qu'il n'a pas baissé les bras. Au revoir et à bientôt. La maison rose. Bonjour, Ellie. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu repeins ta maison. Bien sûr, tu l'as peint en rose. Le rose est une jolie couleur. Oui, une très jolie couleur. Non, oh, pardon, pardon, je voulais dire la plus belle couleur du monde. La plus belle de tout l'univers. Bonjour Pocoyo. Bonjour Pato. Bonjour. Ellie n'a pas encore fini de peindre sa maison. Peut-être que vous pourriez l'aider. Je crois que... peut-être que... Oui, Ellie aimerait beaucoup que vous l'aidiez. Peindre. Eh bien, Ellie, ta maison est vraiment très rose. Quoi, qu'y a-t-il? Tiens, Pocoyo, un pot de peinture rose. Pato, j'ai peur qu'Ellie n'aime pas la couleur que tu as choisie. Ellie insiste. Elle veut que tu peignes la maison en rose. Non, bleu. Ah.
Tu as vu, Ellie? Pato a peint ton portrait sur le mur. Mais Ellie, ce n'est pas une mauvaise idée de mettre d'autres couleurs. Toi, tout rose, Ellie, tu es sûre? Mais Pocoyo! Oh non, Pato, arrête! Écoutez, les amis, vous devriez peut-être... Arrêtez tous les trois, calmez-vous. Mais calmez-vous! Si vous n'arrêtez pas de vous chamailler, jamais vous ne trouverez de solution. Regardez-moi cette pagaille. Excellente idée, Ellie. Chacun de vous va peindre une partie de la maison. C'est beaucoup mieux comme ça. À présent, la maison est vraiment magnifique. Au revoir et à bientôt, les amis. The courtyard in my house is such a special space. And when it rains, it gets wet like any other place. Let's get down and let's get down again. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui? Tu as une idée? Oui, il y a quelque chose là-bas. C'est un objet qui brille beaucoup. Je ne crois pas que Pocoyo sache ce que c'est. S'il vous plaît, les enfants, aidez-le. Dites-lui comment s'appelle cet objet. C'est une clé.
Exactement, c'est une clé. Seulement, je serais très curieux de savoir quelle serrure cette clé peut bien ouvrir. C'est un mystère. Vous savez quoi? Vous allez encore dire que je raconte n'importe quoi, mais je trouve que cette clé ressemble beaucoup à celle qui ouvre les coffres des pirates. Vous savez, les petites boîtes en bois où ils cachent leurs trésors. Trésors! Ça, c'est incroyable. Regardons de plus près. Mais oui, c'est bien un trou de serrure. Comme c'est étonnant. Trésor? Vas-y, essaye. Je ne suis pas un expert en trésor, c'est vrai, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Non, il n'y a pas de trésor par ici. Pardon de t'avoir réveillé, Dodo l'oiseau. Clé. Trésor. Trésor. Clé. Trésor. 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 Tiens, tiens, un deuxième trou de serrure. Je ne savais même pas qu'on avait une cave. Trésor? Trésor? Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. 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 Tu es étonné de nous voir, n'est-ce pas, Patou? Trésor, Patou! Trésor, trésor! Un ascenseur, comme c'est intéressant. Vas-y, Pocoyo, essaye. Oui. Vous voilà au fond de l'océan. Trésor? Si tu veux mon avis, Pocoyo, tu ne pourras pas aller plus loin. Autant remonter. Je n'en crois pas mes yeux. Regardez! Trésor! Trésor! Mais oui, tu as raison. Ça ressemble à un trésor. Plus rien ne m'étonne après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vas-y, Pocoyo, ouvre le coffre. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des bonbons, des jouets. J'ai hâte de voir quel genre de trésor c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, dites-le-moi. S'il vous plaît, les enfants, allez voir et dites-moi ce qu'il y a dans le coffre. Il y a plein de clés. Trésor!
C'est le meilleur trésor que l'on pouvait trouver aujourd'hui. On va pouvoir continuer à s'amuser. On va chercher les serrures, couvre toutes ces clés, faire des enquêtes et continuer à explorer le monde merveilleux de Pocoyo. Et qui sait parmi toutes ces clés, il y a sûrement celle du bonheur. Un grand bravo pour Pocoyo, au revoir et à très bientôt. There were ten in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were nine in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were eight in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were seven in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were six in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were five in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were four in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were three in the bed and the little one said roll over, roll over. So they all rolled over and one fell out. There were two in the bed and the little one said roll over, roll over. Rolled over and one fell out. There was one in the bed and the little one said, I'm to sleep.